Alors, attention, je vous préviens, âme sensible, s'abstenir, parce que là, c'est d'une violence. En Chine, Tesla a été sommé par les autorités de répondre à un incident de véhicule qui a fait 2 morts et 3 blessés à Shaozhou, dans le Guangdong, au sud de la Chine, dimanche. La police locale enquête sur l'affaire et attend les résultats d'identification de l'agence tierce. C'est parti pour la vidéo. Donc, j'ai coupé la musique parce qu'il y a une musique assez déprimante. Donc c'est un modèle Y, a priori, d'après ce que je peux voir. Alors là, c'est parti, la Tesla devient complètement folle. Elle accélère à fond. Et vous allez voir, ça va faire des dégâts. Oh là, il a shooté un mec en moto, là. Oh, le vélo, oh là là. Mais il a combien? Il a plus de 200 km/h, je pense. Oh là 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 là. Oh là là là, ça va tellement vite. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Non, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est incroyable. En plus, le nombre de caméras qui ont pris l'accident, là. Oh là 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 là, mais. Alors, soit le conducteur, je sais pas, il s'est évanoui, il a laissé le pied sur l'accélérateur et. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ou alors l'autopilote s'est bloqué à fond. Oh la vache. C'est un carnage. Hein. Bon, bah écoutez, je vous tiendrai au courant de ce que c'est que ça, parce que c'est impressionnant quand même. Je vous laisse commenter.